HTML, le retour ligne, la balise br. La balise br va vous permettre à l'intérieur d'un paragraphe d'aller à la ligne. Par exemple, cette phrase est extrêmement longue. Je peux avoir envie de la couper après. Elle construit, ou celle-ci par exemple, elle construit un terrier au bord de l'eau à deux entrées. J'aimerais aller à la ligne. Et non pas écrire ça sous forme de deux paragraphes. Car si je l'écris sous forme de deux paragraphes, nous avons quelque chose comme ceci. Donc, à chaque fois qu'on change de paragraphe, on saute une ligne. Moi, ce que je voudrais, c'est juste aller à la ligne. Donc, je vais retourner dans mon éditeur de texte. Je vais dire que mon paragraphe construit commence ici. Qu'il ne se termine pas là. Donc j'enlève mon fin de paragraphe et mon début de paragraphe. Donc je n'ai plus qu'un seul paragraphe et je voudrais avoir deux lignes l'une à la suite de l'autre. Si j'enregistre et que je visualise le résultat, je m'aperçois que les deux phrases sont à la suite. Même si j'ai appuyé sur la touche Entrée, ici, ça n'a rien fait. En fait, pour dire à l'ordinateur qu'on veut aller à la ligne, il va falloir utiliser une balise BR. La balise BR, break return, permet de dire que nous voulons faire un retour ligne. J'enregistre, je visualise le résultat en actualisant ma feuille. Et là, on voit qu'on a un retour ligne. Donc, quand on a deux paragraphes, on saute une ligne. Quand on a un retour ligne, on va simplement à la ligne. Là, je m'aperçois d'ailleurs au passage que j'ai mis deux E. Je vais donc le retirer tout de suite. Hop, CTRL S pour sauvegarder. Je vais d'ailleurs faire la même chose sur cette énorme ligne, la loutre d'Europe ou loutre commune. Après Mustélidée aquatique, je veux aller à la ligne. Donc, je vais mettre mon BR. Puis, pour mieux voir, je vais en même temps aller à la ligne.